Premier ministre Ariel Henry sorti dans le pays Jamaïque, tout chaud, tout bouquet, à qui un grand discours. Élection, tête droite. Si pour un pile partisan, que c'est partisan, Premier ministre Ariel Henry, qui te quoi, c'était bon moment pour opposant politique Ariel Henry, te rejoindre accord 21 décembre, non? Eh bien, yo pour un calotte marassa dans le pays Jamaïque, et André Michel, li témoigne sous ça. Bouche pas gou, en yé pas arrêté parce que Ariel Bopal l'a continué avec un projet gouvernemental gagnant, l'a continué avec l'idée pour le mettre campé en CEP et organiser l'élection. Mais faut moi dire nous tout, gè un bagay historique, symbolique qui fait dans le pays Jamaïque. Si gè un pile vidéo qui a circulé sur les réseaux, montrer petit plaisir que monsieur Damio apprend ya koyo détend y a détend koyo petit cocktail petit verre mais gay yo signature yo déclaration conjointe qui fait dans pays Jamaïque côté gay divers acteurs politiques tant que représentant Lavalas représentant Edé Mopod Unir force l'ouverturienne qui yon même yon pas de printemps pour yon chita ensemble pour yon sorti avec yon résolution dans le pays Jamaïque. André Michel Babdouli, non? Eh bien, rete la m'bral bon détail yon dans yon petit moment. Dans le jour qui souhaite passer, yon gen ancien sénateur Anakasi Jean Hector qui te fait gros révélation sous divers sénateurs qui te prend gros l'argent pour ratifier ancien Premier ministre Laurent Lamothe. On question 40 000 $ américains. Gagne qui te joue une poste, gagne qui te joue une gros paquet là, gros jacoute l'argent, gros mallette l'argent. Eh bien, je dis là, nous prenons un bagage historique, nous prenons présenter aux 19 sénateurs. Ça qui arrive, gagne non, ou te connaît déjà. Mais là, nous prenons l'occasion pour qu'on ait 19 sénateurs et mettez un visage sous nom de chaque. Ou travail là en pile là même. Et on a fini avec Liné Balthazar. Dossier Liné Balthazar là, nous connaissons Liné Balthazar lui-même qui t'a gagné pour te aller dans le pays Jamaïque, pour te aller discuter avec Premier ministre Ariel Henry. Eh bien, qui ça le pensait, qui a appréhension le dossier ça? Nous gagnons tout ancienne première dame de Martine Moïse qui t'a rencontré avec secrétaire général OEA Louis Salmago qui s'est parlé qui s'est dit ou pral joindre tout détail ça avec pilote dans émission pour jeudi. Journée jeudi, c'est jeudi 15 juin 2023. Bonjour bonsoir tout le monde, c'est un plaisir comme d'habitude pour m'avec nous dans émission pour me porter information pour nous. Traiter information avec nous dans l'idée pour ne pas rater aucun détail qui a dominé actualité. Ou sous taxe 609 tout haïtien connecté. C'est pourquoi abonner. M'a invité à abonner, activer la cloche de notification et comme ça, ou pas prater aucune vidéo n'a pas gagné pour une poster. Et bon, préparez-nous là, on va le déraper parce que nous avons pile d'informations, nous allons le partager avec vous. Hier, Premier ministre Ariel Henry, après 3 jours, il était passé dans le pays et Jamaïque, dans le cadre du dialogue interhaïtien, il débarqué dans la coupe pays d'Haïti, dans le salon diplomatique, là, comme il est de coutume. Il était fait un point de presse, il était fait un petit parler avec les peuples haïtiens pour lui dire comment le voyage était passé, qui bilan, qui s'est fait, qui s'est pas fait, dans l'idée pour nous jouer nos sorties de crise avec un problème pays. C'est pour le Premier ministre Ariel Henry. Voyage à la Jamaïque, c'était en ultime et porte de sortie carrière pour divers acteurs politiques qui ont dans la société civile, arrivent rejoindre l'accord 21 décembre. Non? Mettez tête ensemble, allez continuer à travailler main dans la main pour arriver à faire élection, mettez campé en CEP et faire élection. Eh bien, ce n'est pas tout le monde qui well comme ça. Gagnez partisan, c'est partisan Premier ministre Ariel Henry, Robron, et Nek Barmer Demna qui lui-même, lui gagne perception par lui de dialogue interhaïtien qui souhaite faire dans Jamaïque là. Lui comprend opposition politique là dans Jamaïque, nous connaissons depuis Messie Saran côté, et quota pour le pas forcer. Saisir et oublier ça. Eh bien, lui parler, littéralement parler, lui déparler parce que pour lui-même, pour défenseur, avocat, Ariel Henry,
Ariel Henry, li doué aller au-delà de 2024 sous pouvoir parce que opposition politique la fait Ariel perdre du temps. Et chaque fois que nèg yo prend un temps Ariel Henry, c'est temps pour Ariel passer sous pouvoir qui augmente. On nous garde ensemble intervention partisan, c'est partisan Ariel Henry qui t'a rencontré, qui t'a attendu dans l'import là, dans salon diplomatique là pour Ariel te baille discours. On nous garde ensemble. Le PM, nous sommes très solidaires ensemble avec son excellence, Dr. Ariel Henry. Tendez bien, à quoi 22 décembre, nous sommes acquis démocratique lié. C'est comme si mon Montana avait le groupe PM dans le craché, soit à quoi 21 décembre. Non. Au contraire, selon le principe accord, ça nous a fait dans le sacré Caribéa, tu as plusieurs qui étaient présents. Une majorité, c'est le changement de gouvernance politique. Non. Et puis vous mettez un conseil électoral sur pour organiser l'élection générale dans le pays. Mais nous constatons, M. Tamidale, il y a un seul bagage dans la tête, c'est pour coup d'État, comme si vous avez planifié pour tout le monde derrière l'envie. Mais je peux me sortir, si on a besoin de voir ça, c'est dans l'élection pour aller. Élection. Au contraire, nous sommes très solidaires. Parce que qui s'aligne à la COP 21 décembre, il y a plusieurs structures politiques. C'est nous-mêmes qui avons la légitimité. Nous avons besoin de vous parler de comment. En 2004, nous connaissons tout ça, Magali, pour nous faire. Ils vont négmer marron. Ils vont faire des dérives en tant que gouvernement 2004 là. Je dis même point que par rapport les trois fondateurs principaux défenseurs à quoi, Kossi David, M. Géraud et Tim Rivien, nous campons, retournons avec PM, non? Nous disons une majorité, on a tant selon à quoi, c'est changement cabinet ministériel ça, parce que nous sommes des ministres qui ne gagnent rien. Et après ça, après le changement de cabinet ministériel, mettez un conseil électoral crédible honnête sous pied pour organiser l'élection dans le pays. Et là, ça, si Mme Nikoumo a besoin de prendre pouvoir, il va mettre un chicken dans le pays pour convaincre la population pour l'élection pour le président ou bien pour le salarié. Mais à faire vous dire que vous allez retirer PM, non, pas au poste, pas de bagarre comme ça. Et la profite d'occasion, j'en mets sur le soutien. Si vous mettez PM, non, c'est vous qui avez. Et nous-mêmes, au niveau de la coalition nationale, des signataires de l'accord du 11 septembre, et soit démocratique, privé qui c'est responsable trio, ça, nous dit clair nous-mêmes, par un monde qui a intimidé PM, on va nous faire solidaire. Ce que se fait de Jamaïque là, c'est renforcer le pouvoir PM. C'est augmenter le pouvoir, augmenter le mandat PM. Bon, dis-nous bien, tout le monde qui voulait aller, qui voulait prendre le pouvoir, c'est une élection pour aller. Et bien, je ne veux dire, regardez où est le monde. Tout pas de chita dans le forum qui était organisé dans l'hôtel Caribéa, tout allait Jamaïque. Eh bien, actuellement là, tout le monde, la communauté internationale, la quoi côté PM ouvre pour dialogue 24 sur 24, vous venez dialoguer, eh bien, eux-mêmes, c'est dans le coup d'État. Eh bien, pas de problème. Si vous savez comme. Soit qu'on est passé. Bon, vous n'avez pas de force. Qui est force pour vous dire là? Magali, comme vous n'avez pas mettre 24 personnes dans l'arrière. Un bon monde ça yo dans tout monde calé va mettre même 200 monde en tout dans la rue ça veut dire pas de manifestation quoi et mais ça yo fait kounya là yo obligé la gueule quoi on fait monde fait kidnapping bail cartouche on fait commerce cartouche ça veut dire regardez ouais pas de force pour faire manifestation yo regardez yo plus de force pour regarder si on capable bail monde ça à gauche à droite et puis c'est une raison qui fait nous tout PM là pour plus que 2024 et nous dit ça PM là pour plus que 2024 parce qu'il en remet tant que on t'a permet des PM là faut nous tirer temps ça yo parce que là on permet des PM là ça vient rendre. Nous PM n'a pas un petit temps pour réfléchir parce que c'est même genre on caille ou à faire. Si dans la zone n'a pas de problème, ou obligé de caille ou font petit camper pour construire, et bien c'est même genre tant de monde ça va faire. Mais des PM, elle fait PM là, juste Jamaïque, elle monte avion côté PM n'a pas fait accident. Et bien je ne veux dire là, nous venons à KIPM, nous venons à KIPM, côté comme si, nous dit peuple là t'attendre, PM là, t'es fait, c'est monde ça qui honte. C'est une raison qui fait. C'est un bas prier qui fait pour PM obligé de retourner pour le temps pour faire 3 jours de dialogue ensemble avec l'autre bois. Mais tout le monde connaît, je vous dis là, c'est élection, c'est remaniement ministériel qui va le faire. Et PM va aller au-delà de 2024 parce que nous avons merdé PM dans trop. Nous avons merdé tant ça, il faut nous obliger de tirer tant ça. Et si vous continuez à merder, la paix plus de temps toujours. Et PM là, il va obligé de travailler dans les affaires d'insécurité. Matissan, Jean, ouais. Il y a une opération, la police a fait dans Matissan là, et de l'autre côté, le canal a fait pour garder, pour être capable d'obliger, comme si mettre sécurité dans le pays, pour monter le conseil électoral provisoire, pour avoir une bonne élection qui fait après le remaniement ministériel. Qui est-ce qui est dans la spirale ça? Depuis le monde des mondes, c'est le voisinage qui toujours a fourré la bouche dans la cause de nous. Nous ne pouvons jamais mettre tête nous ensemble. Et de fait, nous prouver ça. Nous mettre tête ensemble. Non, pas ouais, c'est dialogue 24 sur 24. C'est ouais, il y a un PM là pour la Chijamaïque, il y a un là.
Ça veut dire que les gens ne sont pas à faire pays avec lui. Même, le regard de les gens, c'est pouvoir. Malgré le pouvoir, PM n'est d'accord pour le séparer, pour le bailler là-dedans. Ils ont dit non, c'est tout problème. Mais mes amis, comment les gens savent comme ça, mes amis? Bon, par exemple, on a dit que c'est le conseil présidentiel. Déjà, il y a un conseil, au conseil de transition là. Ils ont d'accord, bon, PM n'a pas un problème pour mettre des gens sous lui pour faire 5 personnes. Bon, même, vous êtes d'accord pour mettre 20 personnes, vous mettez le PM n'a pas un problème pour ça. Mais moun yo même, yo dit c'est tout pouvoir pour ba yo. Et bien, dans ce sens, la communauté internationale la prend note. Faut m'oublier qu'il y a pile sanction, yo pral pran kont en pile l'autre moun. En pile sanction, yo pral pran la. Pas bien, non? L'aime du grand pile sanction, pral pran par rapport à ça qui se passe Jamaïque là. N'importe moun ou qui te participe dans bagay Jamaïque là. Dans sommet Jamaïque là. Ou allez mettre des PM là toujours, et bien, yo pral pran sanction contre vous. Parce que blanc bouquet, blanc c'est communauté internationale a dit c'est élection pour organiser. C'est que moun sa yo pas gen force. Faut nous bien. Là où qui force yo gen? Bon ça y a fait PM là. Ou pas faire manifestation, ou pas bloquer aucun côté. Moun sa pas ka réunir moun. Et bien finalement, PM là au-delà de 2024 parce que yo prend pile temps dans PM là. Ça veut dire faut nous tirer temps ça yo. Ouais, vous voulez pas vrai. Élection a fait en d'un pays là. Docteur Ariel Henry a organisé élection, vle pa vle. Et la police là, il y a un directeur général la donne qui là pour mettre l'ordre, pour mettre sécurité. Et nous disons gros bravo avec monsieur policier yo qui travaille avec Jong yo. Et nous dit population continuez by la police là information et nous dit ouais pa ouais PM là a organisé élection en deux pays. Et nous dit nous-mêmes comme supporter pouvoir nous pas prendre intimidation, là mais personne monde et nous connait qui est, c'est sous béton de PM Ariel Henry pas prendre pression là mais personne monde et personne monde pas venir ba nous pression, yo pas venir ba PM là pression, PM là dit porte li ouvert bien large pour tout monde venir dialoguer bon table là, si yo besoin faire pays ensemble avec PM là, c'est venir chita bon table là, c'est pas le faire coup d'état, c'est pas le dit c'est président pour gagner un premier ministre. PM là, l'a organisé élection ensemble avec tout le monde dans le pays pour le pays à Caralou. Mes amis, qu'est-ce que vous avez entendu? Bon, même j'ai l'impression. C'est plus gros défenseur Ariel de Kagen depuis qu'il est monté dans le pays. Parce que M. Sal pas jamais raté l'occasion. Depuis ce côté Ariel, il est toujours devant. Ça, c'est ça, nous décarrions au bon dans devant. Il est toujours là pour prendre défenseur Ariel, protéger le pouvoir Ariel. Et pas que blague dans le ça, non? Vous comprenez? Nègla nous carrément, chaque coup y a fait Ariel perd du temps, c'est pouvoir Ariel qui a monté, c'est plus temps Ariel a passé sous pouvoir. Ariel là, au-delà de 2024. C'est possible. Pour pouvoir faire mon yon aveugle comme ça, qui ça cap marche au dedans pays pour parler que Ariel là au-delà de 2024? Quel bagay l'autre des partisans militants, défenseurs, ces partisans gouvernement pour vous remplacer à bail? En vérité, ou même moi, est-ce que tête mon yon droite? Obligé, m'en est-ce que tête yon droite? Parce que par an yon cap marche dans le pays. On paye pas fonctionner, on paye pas diriger, on paye moun pas ka circuler gens yovle, et puis qu'on y a pour tende Ariel là au-delà de 2024, aussi PM dans tes faux accidents. Hein? T'as bien travaillé, li? Hein? Et pays. Est-ce que yon te carré lem là pour yon di m'bral Jamaïque, m'bral discuter, à qui t'y ta qui qualité, hein? M'bral gen t'y ta qualité pour ça. Ariel sous pouvoir l'abjere pouvoir, à sa risque péril. Vous comprenez? C'est comme ça bagay là. Et, on nous continue. J'en t'ai annoncé, eh bien, pendant 3 jours ça qui sont passés dans le pays Jamaïque, côté André Michel, à Kalie Liu, allié pouvoir, Edmond Supplice Bozil, Mounsa yo te rete kwe que différents protagonistes qui allaient Jamaïque, c'était occasion pour yo te vin signer à 21 décembre. Non, faut moi dis nous ça. À 21 décembre, nan, te nan vali chaque moun, pour yo te capable lié à quoi là. Vous comprenez? Ariel Gel, notre valise. André Michel pote l'antivalizi, Edmond Supplice Bozil pote l'antivalizi, tout le monde qui parti avec accord 21 décembre, yon gon kopi, juste pour yon pas oublier, pour yon pas oublier, yon tout marché avec au cas où Intel dit la pour rejoindre Ariel Henry, vous comprenez, yon tout rale accord 21 décembre, mais ici, son bagay comme ça que tu as fait dans le pays de Jamaïque. Eh bien, étant donné que
Ariel Henry pas arrivé à obtenir avec différents protagonistes, avec différents lots, membres politiques, acteurs politiques, moun dans la société civile, qui te allé Jamaïque dans l'idée pour Ariel Henry avec yon même te kajon nan sorti de crise, comme en est pas fait, eh bien, yon décidé entre yon pour yon joindre yon déclaration conjointe, pour yon signer yon déclaration conjointe, pour yon mettre tête yon ensemble, pour yon kagade véritablement qui ça qui ka fait pour Haïti, qui ça qui ka fait pour pays. Hier soir, on t'a fait un débat avec nos amis. Côté que nous t'a parlé de rencontre qui fait dans Jamaïque là, dialogue interhaïtien. Véritablement, on finit par comprendre que haïtien pas qu'on discuter, haïtien pas qu'on dialoguer, et le fait que li toujours paraît difficile pour yon jouer un consensus, pour yon jouer une sortie de crise pour pays, pour intérêt haïtien, pour intérêt Haïti, c'est parce que nèg yo pa janm rive fixer yon objectif clairement défini. Tout le monde voulait dialoguer, tout le monde voulait discuter, mais c'est sous qui ça nous pral discuter. Nous pas kachita base discussion sous yon même problème. Depuis 2 ans, problème nan c'est qui ça lié. Yon gouvernement, yon collège et yon collège présidentiel ou bien yon pouvoir côté que abgon président, abgon premier ministre, etc. Exécutif à deux têtes, yon exécutif bicéphale. Nous en première fois li pas marché, nous en deuxième fois li pas marché. Est-ce que avec même acteur, yon même protagoniste, yon nous ka vini sans que pas gagne yon objectif clairement défini, sans que nous pas mette, nous pas fixe, chaque monde pas fixe et limite, yon pas fixe barème, yon pas fixe objectif, yon nous ka vini pour nous dire nous pral États-Unis nan fait même débat, nous pral Canada nan fait même débat, nous pral Mexique nan fait même débat, nous pral Jamaïque nan fait même débat, etc. Li pas jamais marché parce que objectif yon pas défini. Eh bien, étant donné que pour Premier ministre Ariel Henry, il n'a pas décidé de céder, il n'a pas décidé de concéder, il n'a pas décidé de faire consensus, rejoindre protagoniste, pour le transcender, pour nous Haïti avant tout, pour nous intérêt collectif là avant tout, eh bien, il y a divers acteurs là qui décident eux-mêmes, ils mettent tête ensemble pour signer une déclaration conjointe depuis le pays Jamaïque. Là, on regarde avec moi un document. Dans tel document, c'est déclaration conjointe de Kingston, Jamaïque. Ma pli pour vous, ou regardez avec moi tout. Les partis politiques et les organisations de la société civile, signataires de la présente. Considérant la situation d'exception du pays, désireux de contribuer à l'élaboration de la résolution finale du sommet interhaïtien de Kingston, convaincu de la nécessité de mettre fin aux souffrances endurées par les populations haïtiennes du fait des actions violentes des gangs armés, préoccupés par les problèmes humanitaires liés au flux de déplacés internes, à la résurgence du choléra, à l'insécurité alimentaire, etc., alarmés par la destruction du tissu économique du pays, propose 1. Le rétablissement de pouvoir exécutif avec un collège présidentiel, un gouvernement d'unité nationale dirigé par un premier ministre. 2. Le gouvernement devra satisfaire les priorités définies dans une feuille de route tenant lieu de terme de référence pour la transition. Il s'attardera à respecter les prescriptions constitutionnelles concernant la participation des femmes. 3. Le gouvernement devra créer les conditions nécessaires pour inspirer confiance à la population, instaurer un climat de sécurité favorable à la reprise des activités économiques, aux réformes et à la tenue d'élections crédibles et inclusives. 4. La mise en place d'un comité de suivi constitué en outre de représentants de la CARICOM, Kingston, le 13 juin 2023. Suivent les signatures. Qui est-ce qui signe une déclaration conjointe ça? Qui joigne, qui prend un pays Jamaïque? Nous gagnons Dr. Emmanuel Ménard, force l'ouverture et l'ouverturienne réformiste, opposition démocratique. Nous gagnons en avant Jerry Tordieu. Accord du 30 août 2021, dit accord Montana.
nous siyen. Nous gen PHTK qui siyen. Nous gen Uni avec Clarence Renoir qui siyen. Nous gen MPP avec Bob Limontas qui siyen. Nous gen OPL Edgar Leblanc fils qui siyen. Nous gen NPD Princi et Jeff qui siyen. Nous gen ED avec Claude Joseph qui siyen. Nous gen pour collectif des partis politiques du 30 janvier et yo siyen. Nous gen Mopod et nous gen Famille Lavalas. Nous gen Famille Lavalas qui siyen. Donc là n'a regardé pour moi-même déclaration conjointe ça qui fait dans pays Jamaïque, c'est une déclaration historique, c'est un acte historique qui fait. L'historique pour qui raison? Parce que il y a divers protagonistes là. Premièrement, il y a Famille Lavalas, Maryse Nansis, moun sa yo presque pas jam nan rien moun. Yo pa jam nan rien pays. Yo dou y a bataille pour pays, pour stabilité pays, pour bien-être collectif, y a bataille pour démocratie jeune etc. mais yo pa jam vraiment chita sous table concertation. Yo pa jam vraiment vle chita sous table dialogue là parce que yo vle, c'est toujours pas bon côté par yo pour solution sorti pour solution joine. Mais le fait que journée jodi pendant Ariel rive Jamaïque, Ariel a humilié acteur politique. Ariel a voyé tête sous acteur politique, sous dialogue interhaïtien. Ariel a boycotté dialogue interhaïtien, mais où joine un groupe haïtien qui courageux qui choisit entre eux qui constitue opposition face avec Ariel Henry, qui choisit, yo même yo chita ensemble, yo sorti avec yo bagay, yo sorti avec yo déclaration commune, yo sorti avec yo décision commune, pour qui ça, yo dou pour Haïti, pour qui ça, pour stabilité, pour qui ça, pour bien-être collectif, pour qui ça, pour nous aller de l'avant, pour nous jouer nos sorties de crise, pour nous jouer nos solutions avec problème pays. Mais question pour poser tête, qui ça qui empêche que Ariel rejoigne yo là sous table? Parce que c'est différents protagonistes qui ont face à Ariel Henry. Pendant que Ariel Henry n'a pas parlé, il considère, il constitue, royauté, il considère comme moi, c'est le mettre essayer, c'est le cap fait, c'est le cap défait, puisque il y a André Michel SDP avec lui. C'est ça qui fait Ariel confortable. C'est parce qu'il y a SDP avec lui, oui. Toutes les organisations populaires qui rejoignent Ariel Henry, si André Michel pas là, André Michel est dans l'autre bois, je garantis Ariel t'a signé, oui. Parce que journée jodi a poids politique qui gagne en balance dans monde qui ka mette moun dans la rue qui te kon mette moun dans la rue sous Jovenel Moïse c'est SDP depuis André Michel parler soule tout monde il fait tout monde dormi journée jodi a comme André Michel a calé yo yo nan bot Ariel Henry yo nan kan Ariel Henry donc Ariel Henry li toujours paré pour le voyer terre Ariel Henry toujours paré pour humilier l'autre clan politique yo l'autre adversaire yo bien l'autre protagoniste yo journée jodi a là le fait que divers partis politiques ça yo divers représentants partis politiques ça yo l'opre PHTK l'opre ED avec Claude Joseph l'opre OPL avec Edgar Leblanc fils l'opre Mopod c'est des séries de moun qui yo même pour une fois yo choisi transcender ça yo gagner comme intérêt et yo dou yo mettre tête ensemble pour Haïti yo pas peut-être parti yo pas structure et structure yo dou yo mettre tête ensemble malgré que li difficile vraiment pour nous jeunes haïtiens qui mettent tête ensemble et que ça ba un résultat à long terme en pile fois nous toujours ouais. A pile fois nous toujours manqué, gè des initiatives qu'a prend Lavalas pa jam fou école, mais là ou Lavalas resi fou école là après ça, même yo même encore pété coquin, 2-3 jours après yo dou yo retire corps yo sorti etc. Mais là, le fait que bagaille difficile, situation paraît compliquée et chaque jour la vie ici a empirer, problème a empirer dans pays, hein, dans pays Jamaïque où acteur choisi yo mette tête ensemble, ça son bagaille nous doit féliciter pendant que l'autre bord Nabdou échec, 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 parce que Ariel pas choisi de transcender, mais où jouez dans l'autre groupe haïtien quelque part qui font l'autre bagaille historique. Oui, il y a un bagaille qui passe dans la réunion. Oui, il y a un bagaille qui passe pendant 3 jours de sommet, de forum, de dialogue interhaïtien dans le pays Jamaïque. C'est ça lié. Pendant que Ariel lui-même, l'Elvini, notre discours libéral, notre discours de circonstance libéral, lui dit que pour lui-même, ça passe Jamaïque, c'est une bonne chose parce que l'IR était ouvert au dialogue. C'est bêtise, Ariel a bêtisé acteur politique. Si Jamaïque, pendant que il y a une résolution comme ça qui prend, qu'on déclaration conjointe que différents acteurs signent, Ariel pas rejoindre et yo même tout yo pas rejoindre Ariel, qui intérêt qui pral gagner pour discussion toujours faite avec Ariel pendant que Ariel il était campé sous position pal. Et voilà et n'a regardé. Voyez-vous bien, pendant que Ariel li pas décidé
pour le partager exécutif là avec quiconque. Pas de gros bagay que là, yo exige Ariel Henry. Tande, premier bagay là c'est qui ça? Premier bagay yo mande, yo dou que yo propose pour rétablissement pouvoir exécutif là fait. Pour le fait, ap gagne premièrement au collège présidentiel et ap gagne un gouvernement d'unité nationale qui ap gagne un premier ministre qui a dirigé. Donc là, si Ariel a gouvernement yo avec allié là, l'ité vle font bagay pou peyi an. Si Ariel avec Ariel yo véritablement yo vle font bagay pou peyi an, yo ta fait ça qui pi simple an. La gros proposition qui fait gagné yo dou ap gagné un collège présidentiel, ap gagné un gouvernement d'unité nationale. Si Ariel veut toujours gagner contre livre al dans collège présidentiel là, t'es quasi bon OK, n'a transcendé, n'a concédé ensemble, m'bra aller m'a gagner contrôle collège présidentiel là ou bien m'a gagner contrôle et gouvernement d'unité nationale là m'a style rester premier ministre. C'est parce que nèg yo pas prêt pour faire rien pour pays. Nèg yo pas prêt pour mettre pays avant tout parce que sinon t'as bouqué gagner entente, t'as bouqué gagner en sortie de crise qui joine nèg yo t'as fait un consensus entre eux pour bien-être collectif pour bien-être pays. Vous comprenez? Donc, on n'y a pas sorti de concret par mon côté premier ministre Ariel Henry. Dans Jamaïque, c'est parce que Ariel tout simplement pas vle. Mais groupe moun sa yo qui choisit ensemble yo signe une déclaration conjointe dans le pays Jamaïque, yo font bagay, yo pas sorti, yo pas tourné Haïti les mains vides, yo tourné en Haïti avec un bagay nan men yo qui rele déclaration conjointe qui gagne divers et représentants parti politique qui signe parce que yo rete quoi, c'est ça qui ka aider yo, c'est ça qui ka permettre que yo avance. A comme on dan la dal. A comme on dan asien. PHTK siye, ED siye, Mopod siye, en pilote siye. Laval siye, dans l'intérêt pays. c'est ça, yon dit dans l'intérêt pays. Donc, c'est une bonne chose, c'est une bonne chose. Mais automatiquement, que Ariel li va la dan, li pa rejoint nous. C'est comme si, c'est comme ça, en fait. C'est comme ça, bagay la paret. Bien, toujours dans ça qui est pour avec les questions et politiques. Eh bien, maintenant là, gagne. Et pays Canada qui continue à prendre sanction, qui continue à sanctionner acteurs politiques et moun qui participent dans créer instabilité, dans financer gang dans pays. Et bien maintenant là, gagné et Mélanie Joly qui a annoncé deux nouvelles sanctions contre deux autres personnalités politiques en Haïti. Gagné ancien député Victor Profane qui lui-même en pile information, en pile doit être longé sous lui comme monde qui gangsterise la Tibonite, département la Tibonite là, avec ancien sénateur Gracia Delvato que pays Canada sanctionné pour financement parce que yo gen relation avec gang, yo gen relation avec bandi, yo participé dans créer stabilité dans la coupe pays d'Haïti. Ce qui est sûr, ce qui est évident, c'est que sanction ça yo gen bien gros bon titan là, gen bien longtemps que pays Canada prend sanction. Mais en Haïti, nous pas fait rien. Vous comprenez? Canada prend sanction. Et nous même en Haïti, et bat bravo n'a fait pour nous exayo. C'est promotion n'a fait pour nous parce que la justice en Haïti aveugle. La justice en Haïti soude. Commissaire yo aveugle. Commissaire yo soude. Je batte de yo pas ouais. Vous comprenez? Et tout. L'État haïtien, gouvernement haïtien, hein? Et deux conseillers, si vraiment vous entrez judiciaire, qu'a fait, nous pensons que, et ensemble d'éléments de preuve, d'informations que pays Canada collecte, joint sous Nexayo, faut que vous arriviez dans la coupe pays d'Haïti, faut que DCPJ t'a gagné information, faut que paquet t'a gagné information pour vous poursuivre Nexayo. Nous, par contre, qui ça qu'a fait véritablement, mais, sanction ça, yo, c'est presque, bah, qu'a passé inaperçu, et nous finissons par habituer avec yo. Nous finissons par comprendre ce qu'a fait par bon côté communauté internationale là. C'est prendre sanction qui presque pas utile rien, c'est prendre sanction qui presque pas porter résultat, qui presque pas porter fruit parce que la Tibonite toujours dans situation difficile, zam toujours à prêtre, balle toujours à prêtre, instabilité toujours la gang toujours à renforcer alors que acteur sanctionné, alors que acteur et États-Unis Canada prend sanction contre divers monde qui a vendu et qui participer dans trafic d'armes, dans trafic munitions etc. Mais en Haïti insécurité toujours même et sécurité toujours à cheval donc il n'a pas comprendre et qui est-ce qui n'a eu ou bien qui est et qui puis devant
a gagné tort ou bien a continué et gagné raison dans l'insécurité, dans la violence criminelle qui gagne pas bon la caille pas nous en Haïti. J'en t'ai annoncé lui, et bien un jour qui s'est passé, il y a un ancien sénateur, Anna Kassidjo Hector, qui est venu avec un dossier $40,000 américains que et chaque sénateur a touché pour ratifier l'ancien premier ministre Laurent Lamothe. Et bien mes amis, je dis en là, je vais permettre de découvrir qui est ce monde. Pour l'histoire et pour la vérité, pour le bien de la nation haïtienne, râle plumeau, râle petit caillou, on reprend. Commencez préparer pour faire screenshot pour qu'un non avec visage vagabond ça yo qui yo même selon les dires de l'ancien sénateur qui lui même tout t'es participé dans vaste et dans vaste régime de corruption ça dans vaste scandale de corruption ça côté que ratification au premier ministre li coûtait cher et li coûtait contribuable haïtien yo très très cher la partie pour sénateur numéro 1. Nous gagnons ancienne sénatrice Edmond Suplice-Bozil, qui lui-même c'est président de fusion, qui rejoint Ariel là dans un moment qui t'a bien passé dans le pays Jamaïque. Eh bien, Edmond Suplice-Bozil était parmi sénateurs qui était soi-disant à recevoir. Yon gros fote somme l'argent dans mais et pouvoir PHTK à l'époque pour te ratifier ancien sénateur et ancien. Et premier ministre Laurent Lamothe. La partie pour numéro 2, hein, qui c'est ancien sénateur Wenceslas Lambert, frère Joseph Lambert. Et nous pas qu'à parler de Wenceslas Lambert, j'en regarde là pour nous pas parler de frère Li. Joseph Lambert, qui à l'époque tout est sénateur, qui fait partie de liste 19 sénateurs qui étaient ratifiés ancien premier ministre Laurent Lamothe. Nous partie pour numéro 4, là. Numéro 4 là, c'est ancien sénateur Rodolphe Joisil. Mba jam ka comprendre Dieu sénateur ça non depuis l'autre. N'a continué et en cinquième position nous gagne ancien sénateur Jean-Maxime Oumer. Lui-même tout, il était un sénateur qui était ratifié premier ministre Laurent Lamothe et genre ce sénateur Anna Kassidjo Hector te dit là, yo t'a prend $40,000 américains. Gardez yo bien, marquez visage yo, fait screenshot yo parce que modèle moun sa yo pa ka oublié. Nous gagne en sixième position ancien sénateur Michel Clérier. C'est yo t'a fait causer à l'époque parce que c'est yo même qui t'a qui te gen ti baye nan men yo, c'est eux même pouvoir à l'époque t'a graisser men yo et pour yo te ratifier ancien PM Laurent Lamothe. Nous gagne les lui là ouais le qui est sans parler. L'honorable sénateur Evalien Beauplan et sénateur ça tout récemment là qui se dit vite l'homme de ville là car il y a lorsque pasteur a, et pasteur a te démentil fait comprendre que c'est la Kaili et c'est bandi yo te vini mais sénateur a te dit la Kaipal. En tout cas, en 8e position nous gagne et sénateur Anna Kassidjo Hector mettre causé a et mettre affaire qui lui-même te vini gagner dossier dans la République. En 9e position nous gagne ancien sénateur Lebon Carlos. Gardez yo bien, oui, gardez yo. Machin pays yo, gardez yo bien. En 10e position, nous gagnons ancien sénateur sud-est et Edwin Zeni, Edo Zeni qui passait de présentation. Nous connaissons Edo Zeni lui-même qui tout le temps l'a mette causé de tout, mais ça ne va pas parler. En 11e place, nous gagnons ancien sénateur Yvon Busrette. Yvon Busrette, c'est lui-même bandit Timakakyo. T'es assassiné, t'es boulé dans machine, dans zone la boule. Et bien, ancien sénateur, ça, il était voté, il était ratifié, ancien premier ministre Laurent Lamothe. Bon, nous gagnons dans 12e place, il y a un présumé assassin, président Jovenel Moïse. Nous, de qui est-ce qu'on parle? Ancien sénateur de la République, 3J. Allez, on dégage, depuis longtemps, on n'est pas bon, non? Depuis la Guinée, on n'est pas bon monde. Ancien sénateur John Joel Joseph, c'est lui-même qui en 12e position. En 13e position, nous avons ancien sénateur, je vais regarder là, Hippolyte Melius. Ancien sénateur, ça, selon les dires de Anna Kassidjo Hector, il a reçu $40,000 pour ratifier ancien premier ministre Laurent Lamothe. En 14e position, nous avons ancien sénateur Lucas Saint-Ville qui fait partie de l'ISA.
nan poursuiv. An 15e pozisyon nou genyen ansyen senateur Derek Lucien Pierre-Louis ki li menm tou te bay vot pozitif li te vote oui, repran, li te bay vot favorabli pou Laurent Lamothe te Karine, premier ministre payan pou an kesyon de 40,000 lola vet. An 16e pozisyon nou genyen ansyen senateur Jean-Willy Jean-Baptiste. Nèg sa yo lò yo desann nan palman, wa pa kouzen yo, prezidan pa bon pè yo. Yo byen veste avèk lajan peyi yo. Ekòl yo men langè. Kravat yo tout langè nan kou yo. Yap mache yo gen moun kap pote ti valiz yo pou yo. E pi se machan peyi, se krazèt peyi. Nap kontinye, an 17e pozisyon nou genyen. Nèg sa li te prezidan komisyon anti-korupsyon. Président commission anti-corruption et pourtant dé en question de 40,000 dollars bay pour voter pour ratifier premier ministre. Nous gagnons ancien sénateur Yuri La Tortue en 18e position. En 19e position, nous gagnons ancien sénateur Kelly Sébastien. Et n'a fini avec sénateur Nenel Kassi. Ki li menm li te vote favorablement, li te vote oui, li te leve men lan lè pou li te ratifye ansyen premier ministre Laurent Lamothe. Donc la si nou ta fè et 19 pa 40,000, on bon ti jakout l'ajan, on bon ti malèt l'ajan, sa koute l'état ayisyen. Bon, moun ki entelijan, bon rezultat a, Geton bon reponse an bachat live la, fè 19 pa 40,000 lola et wap ban mwen rezultat. Mais fòk mwen di ou tou, genye des sénateurs ki te vote kont, genye ki te fè abstention. Parmi sénateurs ki te vote kont premier ministre Laurent Lamothe, nou te genye et Moïse Jean-Charles qui te voté contre, nous te gagne ancien sénateur Steven Benoît qui te voté contre, nous te gagne tout ancien sénateur Frankie Exius lui-même qui te voté contre. Nous gagne sénateur Jean-Baptiste Bien-Aimé qui lui-même était fait abstention. Il te fait abstention, pas ni pour, pas ni contre. Nous pas connait si c'est comme ça nèg yo te fait une stratégie et tout, lui-même il était fait abstention. Mais gagne sénateur Andris Richer avec tout sénateur William Gentil yo même yo te décidé yo abandonner séance pour yo comme yo pas ka craser séance ratification yo levé yo pas même temps séance fini parce que yo pas d'accord yo t'a fait tapage yo même yo levé yo prend bacan yo prend ti valise yo met en bas bra yo yo aller yo abandonner séance. Donc c'est pour vous dire que Haïti et Jean-Teriel qu'on remet dit l'Haïti un pays son pays difficile ba yo difficile vrai en Haïti et c'est pas kounya yo difficile gen bien longtemps n'a fait face avec un paquet de difficultés gen bien longtemps l'argent pour ta permettre à ce que gen développement qui fait dans quartier populaire gen création travail création d'emploi qui fait dans quartier populaire yo te préférer prendre l'argent ça au pays sénateur pays parlementaire et sans coucha criminel et affaires pour yo même pour yo te ka faire premier ministre ratifié pour yo te ka faire premier ministre passer en bas et après pour yo te vinn voler l'argent du Caraïbe pour yo te vinn voler l'argent dans jacout peuple. Donc là m'vlo kembe visage moun sa yo m'vlo sonje non yo et parce que moun sa yo c'est des moun qui contribuent dans mettre Haïti côté li là c'est des moun qui contribuent dans casser pour être peuple haïtien dans mettre nous côté nous là ouais qui extrêmement difficile. L'autre dossier gagné ancienne première dame là Martine Moïse, qui lui-même t'est rencontré avec Luis Almagro, qui c'est secrétaire général OEA, Organisation État américain. Yo te fon chita parler sous divers dossiers, tant qu'au assassinat président Jovenel Moïse, qui était dossier primordial, qui était Ron Sutler pour ancienne première dame, non, parce que le président était Marie Théye, un groupe n'est assassiné Marie, etc. Et m'bral permet tout garder avec moi un reportage et Voix de l'Amérique réalisé dans le cadre passage ancienne première dame de Martine Moïse dans Washington, côté que le fon chita parler avec Luis Almagro. On nous garder ensemble. Moi, focus plus sur joindre justice au président. Presque deux ans après assassinat du président Jovenel Moïse, dans date 7 juillet 2021, ancienne première dame nan, veuve Martine Moïse, continue à faire démarche pour joindre justice pour défunt mari. Lieutenant siège Organisation État américain OEA, dans Washington, côté le rencontrer avec secrétaire organisation hémisphérique là, Luis Almagro. Ça nous parlait premièrement de assassinat président. Assassinat président et gagné et
un procès qu'a fait aux États-Unis, mais gagné tout et pour reste mon yo en tribunal pénal international qui vous t'a mettre parce que à cause de juridiction, il y a un pile monde qui pas ka rattaché à procès ça. Donc pour reste mon yo, nous t'a besoin tribunal pénal international et c'est ça chaque côté nous passer, chaque porte nous frapper, c'est ça n'a demandé justice pour président et justice là l'a passé pas en tribunal pénal international que y a t'a supposé aider nous joindre si vraiment y voulait aider nous joindre justice là. Madame Martine Moïse qui dit l'a demandé justice tout côté le passé à travers le monde précisé il était constitué en partie civile mais c'est pas lui qui était accusé premier ministre Ariel Henry. Bon, puisque au porte au parti civil et au accusé premier ministre là, est-ce que l'État complice dans la mort? Accusé premier ministre là, il était gagné une enquête préliminaire que le ministre de justice à l'époque là et le commissaire de gouvernement à l'époque là, t'as fait et c'est enquête ça qui était pointé premier ministre là du doigt. Mais qui moun mwenye pour t'a accusé yon moun? M'pas trouvé le moun t'as fait. Sous enquête qu'a mené dans le pays d'Haïti sous assassinat du président Jovenel Moïse, Madame Moïse récusait juge Walter Wessel-Voltaire comme juge instruction. Bon, son juge que m'était recusé, à cause de l'accusation, parlait trop parler sur lui. Parce que, et c'est pas ton juge que m'était vraiment, t'es senti confortable avec elle pour qu'à joindre justice là vraiment. Et comment t'as dit ça? Pour que au cas je ne bagarre faut sentir à l'aise ou penser que moun ça c'est la personne qu'il faut à la place qu'il faut pour le takaba ou justice qu'on va chercher non seulement pour famille pour peuple haïtien tout pendant les saluer décision justice américaine qui condamnait homme d'affaires haïtien au chilien Rodolphe Jarre oui gon avancé qui fait moi t'ai dit ça déjà mais on pas capable aller sous les trop parce que c'est gay en pile bagarre qui en cours toujours. Veuve Jovenel Moïse là critiqué pouvoir en place là qui d'après lui pas fait rien pour changer condition population pendant lui féliciter initiative Jamaïque là même si il pas rien. Pense que gouvernement jamaïcain qui te prend initiative là c'est lui même qui te prend initiative la bonne ouais, puisque oui l'initiative la bonne puisque c'est yo voulait vraiment ta ka joindre une solution mais faut yo rendre compte que y a cherché solution hein, avec non seulement même groupe moun qui te créé problème non mais yo pas rien de nouveau ni de personnage qui nouveau qui vient ajouter dans ça pour dire que Otaka dit que yo si a font accord yo ka fait accord vraiment avec deux groupes moun mais c'est même groupe moun yo que a fait accord avec yo donc pas une solution possible que yo ka joindre avec ça. Joindre justice pour défunt président Jovenel Moïse c'est yo dette envers famille yon dette envers pays d'Haïti d'après madame Martine Moïse qui mandé au tribunal spécial pour traiter question. Tout côté me connaît me ka joindre m'a frappé porte parce que même si c'est Nations Unies pour Baoul ça me comprendre toute bagarre la soit fait de réseau gen moun ça qui connecte à moun ça connecte à moun ça donc c'est frappé toutes les portes pour faire sentir nécessité gagner pour que dans 21e siècle ça un groupe moun pas ka entrer caille un chef d'état yo tué le Philippe yo sorti comme ça si c'est ça personne chef d'état à travers le monde pape vraiment en sécurité et automatiquement monde là vient en crise monde là vient en crise. Nous sommes galé avec moi là et me carrer le copain que ancienne première dame de Martine Moïse a fait et pour Maril Jovenel Moïse ancien président Jovenel Moïse jeune justice parce que nous voyons comment bagaille a traîné en Haïti c'est pas vrai nous voyons comment justice président Jovenel Moïse bah elle paraît difficile bah elle a pour l'autre enragé là-dedans vous comprendre donc l'important s'il ka continuer rencontrer divers acteurs pour continuer mander pour un tribunal spécial qui mette campé pour juger pour condamner criminels c'est une bonne chose Kembe la continue. Mais est-ce que la pas abouti, c'est la grande question. Dans quelques jours encore là, 7 juillet, Cap Gué pour venir là, marqué deux ans red, depuis, un groupe mercenaire, un groupe haïtien, mettait ensemble, ils ont assassiné un président.
Jusqu'à présent, il y a projet de sous des séries de monde, des séries de personnalités politiques, ancien président, actuel premier ministre Ariel Henry, dans dossier assassinat président Jovenel Moïse, la justice en Haïti pas jamais fait. Oh, rien la justice en Haïti pas jamais dire. Ça qui vraiment intéresse dans tout et prise de parole ancienne première dame, c'est le fait que lui soulever question récusation. Ancienne première dame Martine Moïse et lui récuser juge d'instruction Walter Observateur sur dossier assassinat président Jovenel Moïse. Mais ça pas empêché que même avocat ancienne première dame non mais gentil qui c'est avocat et Antoine Zéphirin qui récemment là saute paraître saute et pas et aller dans cabinet d'instruction pour juge té auditionné li qui té allé pour audition devant juge mais ça pas empêché que c'est même avocat Martine Moïse qui récusait juge qui té accompagné l'audition si là donc il bail un petit genre paraît bizarre bail un petit genre paraît flou donc nous pas prêter dans flou mais n'a pas avancé reprendre n'a avancé et parce que faut président Jovenel Moïse justice faut que lumière fait sur dossier comprendre toute complice toute coupable tout monde qui participait qui prend l'argent qui baille et on conseille qui fait n'importe bagarre dans dossier faut moun ça faut que traîner devant la justice et faut qu'on juge qui tande yo dans dossier et si là si pour pile moun justice président Jovenel Moïse joint et bien Martine Moïse ancienne première dame non dirait confiant li croit que et la justice ka rétabli lumière ka fait sur dossier pour permettre à ce que et Marie jeune justice pour permettre à ce que tout monde qui participe dans touyer Jovenel Moïse dans touyer 58e président pays d'Haïti yo condamné au vœu de la loi et nous pral finir émission j'aime te dire nous gagner Liné Baltazar qui lui-même qui parler Liné Baltazar qui c'est une dans monde qui t'a participé dans dialogue interhaïtien dans pays Jamaïque qui lui-même tout c'est une dans monde qui signé et déclaration conjointe et Kingston Jamaïque là li pral mettre causé dehors li pral bay quelques détails sur ça qui t'est passé dans pays Jamaïque et c'est occasion pas pour ouais mauvaise foi premier ministre Ariel Henry mauvaise foi André Michel et moi même m'a dit très clairement si n'a considéré bandi légal dans moment n'a parlé à la nous pas fourer André Michel à calier là dedans nous pas connait bandi légal nous pas connait bandi légal parce que nèg ça qui que pays en gorge j'entends d'André Michel qu'on a deux équipes matériel c'est bandi légal nous même commencer prendre André Michel fourer dans même liste bandi légal ça parce que yo pas différent yo ne pas différent l'autre on nous regarder ensemble interview ça qui était réalisé avec Liné Baltazar sur Magic 9 n'a pas gagné plus de détails. Oui monsieur Baltazar bonjour bienvenue sur Magic 9. Oui bonjour et toute équipe Magic 9 là et bonjour à fidèles auditeurs auditrices de Magic 9 et c'est toujours avec plaisir pour prêter ma petit examen oral ça avec nous-même sur situation pays donc ma votre disposition. Merci d'être disponible pour nous Liné Baltazar du PHTK et après 3 jours nous sommes et Jamaïque te gagne réunion sous crise haïtienne et yon moun ki dit que aucun n'a parti yo à savoir moun ki opposé avec premier ministre Henry ou bien moun ki partage pouvoir moun ki s'est allié premier ministre Henry pas sorti dans discussion avec rien de concret yon moun ki juge le comme ça li gen raison li gen tort qui sont capable répondre par rapport à ça. Bon, ça dépend de avec qui angle mon a regardé et ça passé yo. Donc la première chose ou dit son bagage au sorti Jamaïque. Non, Jamaïque c'était un deuxième mi-temps dans un événement qui a passé dans la région qui était commencé depuis le 8 à Bahamas. Qui est mon premier temps à Bahamas avec les chefs d'État de gouvernement et vice-président Kamala Harris, et puis qu'elle poursuive Jamaïque. Donc nous partons, Jamaïque a son deuxième mi-temps, et premier monde qu'elle participé dans le processus, dans l'événement, ça, c'est le gouvernement, c'est le premier ministre là. Donc, c'est le premier ministre qui a initié une série de rencontres internationales qui a commencé à Bahamas, qui a
et fini Jamaïque avec les représentants des les principaux stakeholders, c'est-à-dire les protagonistes. Exactement. Et le Premier ministre a été participé à ces deux événements et très certainement il était conditionné pour le participer à deux événements ça. Et puis la deuxième chose que n'a dit pour le retirer on va clair c'est gouvernement haïtien qui invite Mlan à Jamaïque. Parce que l'aide d'invitation que je recevoir pour ma Jamaïque là, c'est Primature qui voyait le bon moins. Non. Donc c'est pas. Primature. Avec un tête Primature, bonne plus d'état. Je vous dis que c'est pas un événement qui fait dans l'hostilité ou bien gouvernement. Le gouvernement haïtien a été partie prenante de l'organisation de cet événement. La preuve, c'est que le gouvernement haïtien a déployé, a dépêché le ministre des Affaires étrangères, son ministre des Affaires étrangères, fait au moins deux voyages Jamaïque, a planifié l'événement ça. Donc, c'est le gouvernement haïtien qui a invité les citoyens haïtiens à le rencontrer à la Jamaïque. Donc, il y a abrité le cancom. Donc, en fait, le monde a bien fait pour les crapauds, ni ma Jamaïque, bat de ceci. Non, eh bien, oui. Donc, la relation d'État à État, ça ne se passe pas comme ça. Si le gouvernement haïtien n'a pas voulu événement fait, il tape que dit non, il va bien le faire. Parce qu'il n'y a aucun haïtien qui a déplacé à Jamaïque. Et peut-être ça m'a dit que la lettre d'invitation que je reçois, moi-même, de ministre, de premier ministre Bahamas, c'est le premier ministre Bahamas qui a invité les Haïtiens. C'est Primature qui distribue les lettres là-bas, by Haïtiens. Donc, ce bagage qui t'a fait d'État à État. Monsieur Balthazar, et là, on t'a fait perdu. Non, m'expliquez. Oui, mais qui t'a dit? Oui. Monsieur Balthazar, t'as une information. Mais avant, non, une question plus sérieuse. Mais qui m'a fait quoi les crapauds pour parler là? Est-ce qu'ils vont faire du. Non, mon café pour les crapauds, dit, je t'ai invité, mon Caribé, au Batalé, puis à Bahamas. Non, pas gain. La deuxième chose, à la décharge, il faut qu'on nous dise très clairement. Moi-même, Liné Balthazar, j'ai été invité, j'ai reçu une note d'invitation pour me participer à l'événement, ça, un mois à l'avance. Alors que, gouvernement, soi-disant, qui a fait un événement dans le Caribe, dans Port-au-Prince, c'est 12 ans avant que je recevais sur WhatsApp, de façon anonyme, un bagage qui dit qu'il invite à participer à une conférence qui a fait dans le Caribe. 12 heures de temps avant. Donc, c'est. Et quand vous avez invité, vous avez invité. Gouvernement ou bien HTP? Accepté avec le gouvernement, puisque là, le carton d'invitation, c'est les deux qui invitent. Donc, et d'ailleurs, le Premier ministre a toujours dit, il était invité dans le Caribe, nous ne pas aller. Je dis, voilà la différence. Le minimum de respect qu'on doit à des gens. Moi, j'ai été invité à participer. Il demandé si m'a accepté de participer à l'événement qu'a fait un mois à l'avance. Okay. Et vous dites, si vous ne pas participer, ou il y a sollicité contribution, la planification, dans toute bagaille. Soi-disant, le gouvernement, la CAIMO, a organisé un événement pour l'inviter, mon vin discuter avec elle, c'est 12 heures avant, il a invité de façon anonyme. Non, mais d'abord, c'est le gouvernement qui fait tous les deux, ni Jamaïque, ni HTT. Non, moins du gouvernement, cette fois-ci, l'y associé avec CARICOM et le gouvernement jamaïcain pour faire un événement pour l'inviter. Ouais. Et ça me donne d'accord. C'est parole qui dit que le Premier ministre n'est pas trop confortable avec Jamaïque. Là. Il n'est pas vrai que tu l'as dit, c'est lui-même. Non, mais je vous dis que cet événement Jamaïque, là, c'est son deuxième temps d'un événement commencé Bahamas. Le premier monde qui a le Bahamas, c'est le Premier ministre. Là. Donc, là, le Bahamas, c'est le Premier ministre Bahamas qui l'a rencontré. Et c'est le Premier ministre Bahamas qui signe une lettre d'invitation à tout le monde. Vous écoutez. Donc le Premier ministre est parti prenante de cet événement, là rencontré le Premier ministre Bahamas. Là, d'ailleurs, le Premier ministre devait, soi-disant, il était en route vers l'Europe, l'Elta Bahamas. Il va tourner en Haïti.
Donc, si nous bien comprenons, la critique qui dit nous, à Javaï, nous pas dans le Caribe, pas fondé. Non, mais M. Alphonse, le fil des événements, c'est que, un, et c'est un événement qui a passé dans le Caraïbe, là, dans deux pays, Bahamas et Jamaïque, et l'événement Sahara, le gouvernement haïtien était partie prenante. La preuve, c'est que le premier ministre, là, premier monde qui déplace et quitte le territoire pour participer à l'événement, c'est le premier ministre, là. Là, le Bahamas, là, le rencontre le premier ministre bahaméen. Hein. Et puis, deuxièmement, le deuxième temps, il retourne en Jamaïque, et parce que le gouvernement haïtien était partie prenante de l'organisation de l'événement. Okay. Comme membre de CARICOM. Comme membre de CARICOM, sans façon vous me dites, voici le cadre de l'organisation. Et si le gouvernement haïtien n'est pas d'accord que pour la fête Jamaïque, pour être invité, citoyen haïtien, ça peut être dit non. Okay. Maintenant, sur le déroulé de ces trois jours et des résultats, entre guillemets, obtenus. Ben, le déroulé de ces trois jours, nous pensons que nous gagnons compte et rendu de Jean Bay au déroulé, et le résultat, c'est que les finitions, elles finissent en deux projets qui antagoniques l'un à l'autre. Les deux projets, c'est un, ce projet de déclaration conjointe qui signé par les forces politiques et sociales dans la grande majorité qui est installé là, dit que eux-mêmes ont opté pour la mise en place d'un gouvernement bicéphale qui se rapproche de la Constitution, et le projet est esquissé par le chef du gouvernement dans sa déclaration que le fait le 13. Côté le dit lui-même, c'est un projet adélanté avec 21 décembre. Hein? Donc, c'est dans ça, oui. Donc, le dit adélanté avec 21 décembre, ou bien disons, élargissement du 21 décembre. Oui, élargissement 21 décembre, c'est adélanté, dans ça. C'est la même bagaille. Non, bah, oui. Bah, élargissement, même, de toute façon. Oui, de toute façon, M. Alphonse, il est très très clair qu'on y a. Groupe monde qui signe une déclaration qui nous sonne, il dit qu'il n'y a pas là, ni élargissement 21 décembre, ni intégré 21 décembre, intégré gouvernement 21 décembre. Pour qui ça, vous parlez intégré 21 décembre? Parce que tout simplement, nous faisons le constat que depuis 2 ans, le Premier ministre, pour compte lui cumuler les fonctions de Premier ministre, de chef d'État, de président et de ministre. Donc, le résultat, c'est que nous connaissons l'IA. Donc, il n'est pas question pour quitter un seul monde pendant aussi longtemps à prendre de mauvaises décisions à la tête du pays qui mènent nous dans sa l'IA. Donc, posez-vous la question, est-ce qu'on va vivre mieux aujourd'hui, M. Alphonse et l'équipe de Magic 9, qui a 5 ans, ou 10 ans, ou 15 ans? C'est comme ça qu'il faut. Donc maintenant, nous ne pouvons pas empêcher, nous ne pouvons pas avoir personne monde qui empêche le Premier ministre à gouverner. Le Premier ministre est en charge de pays depuis 2 ans. Là, c'est lui qui la prend décision s'il veut faire adélanter avec 21 décembre et avec accord 21 décembre. Non. Donc il met continuer. Mais si vous sollicitez un groupe de monde pour demander avis sur la meilleure manière de gouverner le pays, nous disons, mais j'en ouais que pour pays à ta diriger, il n'est pas question qu'un seul monde apprend toute décision pour compte lui, sans vague compte à rendre à quiconque, longue période d'intérimaire de transition qui généralement c'est des périodes qui coûtent et qui de fait mettez-vous à l'écoute des forces politiques pour capable d'organiser pays des élections pour transmettre pouvoir à des gens issus des élections légitimes et inclusives. C'est ça au moins dont gouvernement est de transition. Avant aller, Dani, le Premier ministre dit que l'affaire Maliman, l'affaire PC. Oui, c'est ça, je te dis à l'ouverture. Oui. Mais nous n'avons pas de problème avec ça, M. Alphonse.
Mais le Premier ministre, il est là pour le diriger. S'il veut faire ce qu'il peut demain matin, il va faire. Mais nous connaissons, nous assister plusieurs gouvernements qui font CEP et des gouvernements qui étaient plus légitimes, plus populaires que le Premier ministre là, ils ont fait CEP, ils ont fait toute qualité de bagarre qui n'a pas marché. Donc nous ne pouvons pas. Pas d'aucun monde qui dit que le Premier ministre n'a pas fait CEP, pas lancé le processus électoral. Non? Et nous-mêmes qui en face, nous ne pouvons pas dire qu'il va faire, non? Mais soit demander nous qui j'en pour faire, la bourgeoisie en fait là, pas bon, il n'y a pas mener un pays à l'instabilité, nous préférons bon gens, la chose simple. Bon gens nous habitués à faire CEP depuis 35 ans, 40 ans dans le pays. Parfois, ça, pour le ministre qui n'est pas élu, pas de légitimité, qui entoure dans une série de monde qui n'est pas élu, lui décide pour contre lui, il a changé les gens qui ont fait CEP dans le pays. Lui-même, il a choisi 20 mounes et puis il va le bailler. On tire équipe l'autre monde, choisit 9 mounes. Donc, depuis qu'il est. Bon, nous ne pouvons pas empêcher de faire comme ça, non? Mais nous disons, si c'est comme ça, on va faire. Nous-mêmes, nous ne sommes pas d'accord parce que le pape marché, le pape de pays en crise. Nous suggérons faire suivant le modèle de la Constitution de 1987, l'article 289, qui prédésignait une série d'institutions. Qui de manière à ce que, justement, son façon pour mettre équilibre dans l'engin à faire institution électorale là, pour c'est pas un seul groupe politique qui gagne contrôle l'institution électorale là. Donc, on doit dire, oui, depuis 35 ans, il y a des institutions qui parlent encore à ce moment-là, n'a ouvert une discussion, là, un consensus sur les institutions qui parlent. Alors, l'article transitoire constitution 87 là, n'a désigné ensemble 9 autres institutions pour le désigner Mounio. Et puis, n'a désigné ensemble les critères pour le désigner Mounio. Son exemple, de divergence profonde que nous avons entre le groupe qui a signé la déclaration conjointe de Kingston et le gouvernement et ses alliés du 21 décembre. En nous entrant dans la proposition, et qui joue au collège présidentiel là? Combien de monde qui a plein de lits, qui côté bon a sorti, attribution? Et puis, dans le temps, ils ont utilisé le collège présidentiel déjà, notamment après le départ de Duvalier. Est-ce que c'est une formule qui a un succès à un point tel que nous avons tourné avec lui, je dis, et utilisé pour l'aider nous résoudre la crise là? Non, mais... Monsieur Alphonse, mais monsieur Sénat, en vie magique, c'est la même voix. On ne va pas qu'on dit ce qu'il n'y a pas là. Mais la seule chose, c'est que nous, son processus de discussion et consensus, n'a pas cherché. Nous, dit collège résidentiel, il y a 3 membres. Il n'y a pas moins quoi le dire, je veux dire, il y a 3 membres, 5 membres, 10 membres. Mais l'essentiel, c'est que nous ouvrons un espace de discussion pour que nous joignions une manière consensuelle pour que. À la tête de l'exécutif, c'est pas un seul monde qui a décidé. Mais les ont fait HTTA, c'est une façon galvaudée pour mettre une sorte de collège présidentiel et au rabais. C'est ça la formule. Et c'est comme ça le gouvernement avant la HTTA, les livres de l'instance internationale, il fait connaître que HTTA sont gros bagailles, alors que dans les articles de l'accord du 21 décembre, son extension de la primature que HCTA est. Maintenant, si vous voulez vraiment vendre à l'extérieur l'idée que vous voulez mettre un balance, un check and balance à la tête de l'exécutif, eh bien, nous disons, on nous discuter de façon franche et sincère sur la meilleure manière d'équilibrer l'exécutif là. Là, même monde qui dit faut qu'on voit le Premier ministre aller, non? Il a aller, donc il a arrêté tout. Mais il faut entrer long processus de discussion, comment rééquilibrer l'exécutif pour assurer nous que nous mettons le pays à dans le processus électoral qui est inclusif et qui crédit, qui va de force côté dès le départ. Parce que si nous avons une politique qui est un Premier ministre et en otage et qui a besoin de contrôler tout appareil d'État, y compris le prochain CEP, pour être capable de faire reproduire le pouvoir, nous dit que ça va mener le pays à la crise. Mais si le Premier ministre n'a pas besoin de nous, il voulait aller dans ça. Maintenant, on a dit bonne chance. Sans stress, sous 100.9. Mais en attendant, nous tendons la déclaration le fait, parce que faut que nous clair que Magique 9,
entre le discours d'ouverture du Premier ministre a fait à l'ouverture de choses. Déclaration de fait de ces propos d'ouverture et déclaration dans Oui, bon, nous avons un problème avec différentes déclarations que le Premier ministre a fait à peut-être à 24 heures d'intervalle. Il y a des messages qui sont contradictoires. En propos d'ouverture, il était dit, bon, il n'est pas venu prendre dictat à la même personne, il même l'a pas avancé. Bon, si le Premier ministre a dit qu'il n'est pas venu prendre dictat à la même personne, ce n'est pas avec nous-mêmes, citoyens haïtiens, à Paris. Il va nous cabailler le Premier ministre a dictat. Donc, il dit qu'il va venir dictat, il passe aussi, il a avancé, il a délanté, il a pressé. Bon, le deuxième jour, le Premier ministre qui avait boudé la première journée, le deuxième jour, il est venu. Bon, il dit, bon, il souhaitait qu'il y ait de bonnes discussions entre les Haïtiens. Le troisième jour, il parlait, il dit, là, mettons au gouvernement, il rencontre tout le monde, là, mettons un gouvernement conforme à la Constitution. C'est très bien. Nous-mêmes, nous demandons l'exécutif qui conforme à la Constitution, mais lui-même, il dit, là, mettez un gouvernement qui conforme à la Constitution, là, continuer de discuter, et là, inviter CARICOM, venir poursuivre la discussion à Port-au-Prince. Et puis, pour les arrivées, hier, à l'aéroport, il déclarait que CARICOM a venu pour venir rencontrer ACT, mais il n'a jamais été question de ça. Toute nouvelle, sans stress, sous 100.9. CARICOM va nous rencontrer avec ACT? Non, CARICOM doit venir rencontrer avec tout le monde, mais il a continué un processus de discussion qui est initié à Kingston et qui aboutit à ce que gagne deux projets sous table, deux projets politiques. Donc, on a continué, CARICOM a fini, continué discussion avec entre les deux projets qui est esquissé entre les déclarations du Premier ministre et la déclaration conjointe que nous faisons nous-mêmes entre nous. Mon qui bat Kingston, tout parle dans le coup. Non, mais il n'y a pas qu'à, c'est 6 millions de monde, il n'y a pas qu'à inviter 6 millions haïtiens venir chez Talonsal, et faut que. Non, même si vous avez qui passe à Kingston, qui n'a pas invité Kingston, qui vient vous dire. Non, même pas qu'on est. C'est-à-dire que les gens qui t'ont invité Kingston, c'est des gens qui t'ont invité sur la base de consensus entre les deux parties. Et le gouvernement était très, très, très largement représenté à Kingston. Le gouvernement et ses alliés étaient très largement représentés, voire même surreprésentés à Kingston. À Kingston. Vers résolution. Oui, communication font-y couper. Est-ce que d'après vous, je suis prêt ou bien de la crise? Non. Est-ce que d'après vous, même nous plus loin ou bien nous plus près d'une solution à la crise là? Non, solution à la crise, non, magique, on ne peut pas faire ça. Il y a un gouvernement qui a dirigé le pays. Hein? Le gouvernement n'a pas besoin d'opinion simple citoyen pour prendre qui ça pour le faire sur sécurité pays. Le gouvernement n'a pas demandé opinion simple citoyen pour. Non, moi, donc. Non, nous plus près qu'on y a parce qu'au moins, il y a un projet, il y a un seul projet qui campait en face projet monocéphale et gouvernement. C'est-à-dire l'ensemble, on dit, les principales forces politiques qui étaient représentées dans Kingston et qui généralement c'est les principales forces politiques qui gagnaient, les principales qui gagnaient un ancrage politique et électoral dans le pays, ils ont été représentés dans Kingston. Et que eux-mêmes, ils ont fait consensus sur forme de gouvernance pays qui pas monocéphale et qui pas concentré pouvoir en main un seul monde. À partir du moment que gouvernement et monsieur Henri Abdirigia voulaient négocier sur cette base-là avec les forces politiques, nous plus près d'une solution que nous plus loin. Mais encore une fois, nous pas forcer gouvernement à négocier avec nous-mêmes s'il pas voulait. Parce que l'ilon kafou, et encore lui-même, il dit, il va dialoguer, le dialogue n'a pas qu'à permanent. Donc, si le dialogue n'a pas qu'à permanent, donc à tout moment, il va décider, la FCEP, l'ilon entrer, il va mettre le pays à la mode d'élection. À ce moment-là, nous ne pouvons pas
nous va pas aller empêcher le faire ça. Nous-mêmes qui opposés à lui et qui connaît que c'est l'élection Piqué Collé le bras fait, n'a fait ça nous connaît pour empêcher un projet d'élection Piqué Collé prend le pays, c'est tout. De la communauté qui toujours dit pardon? Qu'il faut qu'on consensus. Qu'en est-il de la communauté internationale qui toujours dit lui-même faut que village qui appuyait l'accord 21 décembre et par exemple Madame Salvador avant Kingston qui va aller à Kingston et quelle est la position de la communauté internationale? Quelqu'un qui dit elle appuie sans réserve Monsieur oui, mon Didi, et pas tellement appui, au contraire, avec le temps, M. Henry devient de plus en plus isolé parce qu'on on voit pour perdre au bout. Position ça comme valeur ou position ça y est comme valeur et qui j'ai analysé. Non, la communauté internationale là, les diverses et variées. Donc, il n'y a pas la communauté internationale, il y a les intérêts internationaux. Puis, la deuxième chose, il faut faire la différence entre les fonctionnaires internationaux qui, au même qui citent, qui ont un propre intérêt par eux, de carrière à défendre, et les intérêts internationaux qui exprimés à travers les instances régionales ou internationales, et qui ont aussi exprimé à travers les gouvernements et les gouvernements qui font partie de cette instance internationale. Donc, je connais que forme font différence entre les fonctionnaires de BINU et l'ONU, l'Assemblée générale de l'ONU et même le Conseil de sécurité de l'ONU. Donc nous n'avons pas parlé de communauté internationale. Là, Plus directement, Madame Salvador parlait de son conversation. C'est ou d'accord avec ça, avec l'élément de langage ça, ou pas? Madame Salvador, parce que communication était fantique, coupé, m'attendez bien. Madame Salvador dit, reconnaissez le Jamaïque là, sur conversation sous crise là, et sous crise haïtienne là. Est-ce que vous partagez avec tout ça, vous partagez? Non, mais ça c'est. Non, mais c'est. Oui, mais c'est opinion, madame. Oui, c'est opinion, madame Salvador. Pas bien, madame Salvador. Justement, elle a dirigé un bureau BINU qui est en Haïti, qui l'a depuis très longtemps. Madame Salvador, pas comporté. Monsieur le représentant spécial du Brésil, on a souvenu à tout. Oui, mais bon, oui, mais qui pas, Stam Dadi là, qui a fait Madame Salvador, pas, comportement ou bien les propos de Madame Salvador pas différents de propos de Madame Lali. Donc c'est même moule là, et très certainement il n'y a pas abouti au même résultat pour Haïti. Donc les propos de Madame Salvador pas différents de ça Madame Lali, c'est qu'on a dit. Et donc voilà, et c'est nous-mêmes haïtiens qui résout la crise. Bon, pas besoin d'entendre ça, Madame Salvador a dit, pour moi-même, pour me positionner, moi, sous jambe, pour crise pays, me résoudre. Une dernière question pour poursuivre le compte. Et dans des classes politiques qui n'ont pas de même tendance, c'est qu'on a affronté eux, mais vous vous êtes rejoints et sur cette déclaration par rapport à comment nous organiser, comment l'élection nous est faite. Comment nous devons comprendre ça, la constitution de bloc, ça avec les différents partis politiques et... Oui. Cette déclaration, on est bien content qu'on rende compte que l'y signer, l'y porter, l'y élaborer, mieux, l'y élaborer, l'y signer, l'y porter par un ensemble de forces politiques qui, généralement, c'est des compétiteurs, voyez, en période des élections. Mais nous tous avons même ressenti et nous tous avons même, le même objectif, c'est que le pays, gouvernance actuelle là, a pas mené un pays à l'instabilité. Et le fait que tous les pouvoirs sont concentrés entre les mains d'une seule personne, qui n'a pas de compte à rien à personne,
qui pas gagné les pour le bail pouvoir et qui en plus m'ont entouré dans équipe noyau politique qui vient rendre que ce gouvernement, ses actions sont ouvertement partisanes. Donc nous-mêmes, nous entendons pour nous mettre en gouvernance qui est plus équilibrée à la tête de l'État, de manière à ce que nous assurer nous que l'élection pour le fait là, c'est pas une élection qui a piqué coller pour un groupe monde, mais c'est une élection qui a inspiré monde confiance et que monde qui a sorti de l'élection pour résultat ou pas contester. Ni les résultats, ni les élus pour pas contester. C'est tout ça nous demander. Nous pas, et nous connaissons, nous pas le compétiteur entre nous, mais nous voulons assurer nous que les règles du jeu seront et équitable pour tout le monde et que tout le monde a accepté de soumettre aux règles qui seront éditées pour la conduite de ces élections et surtout pour l'administration de la période transitoire qui est ouverte depuis 2 ans, pas bah, résultat, il n'a souhaité ne pas perdre 2 ans encore. Sauf que si je me bats là, nous risquons de recommencer à zéro, c'est parce que tu as l'ordre de dire. Et nous pas dit premier ministre pas doué là même nous pas dit premier ministre pas là encore même tout nous pas dit que la, c'est lui même qui va diriger transition donc si bon possibilité pour premier ministre pas là ça va faire un tour à la case départ avec un chef exécutif avec un nouvel agenda non mais son processus politique dans lequel premier ministre a impliqué. Après le premier ministre a dit, c'est lui qui dit l'inviter, les gens de la CARICOM à continuer les discussions initiées à Kingston. Mais pour le premier ministre a en discussion, oui. Donc, le premier ministre a en discussion à titre de d'acteur, de protagoniste, et aussi de responsable d'État. C'est lui qui détient les rênes du pouvoir d'État. Donc, c'est lui-même qui pour connaître à la fin de la journée, qui voulait l'a joué dans le processus là. Et comment il est capable d'assurer que le processus là maintenu pays à l'instabilité. Mais pour le moment, le processus fait partie de processus là. C'est à lui de se mettre, de discuter, de prendre des initiatives politiques qui allaient dans le sens, ça cap dessiné. Mais il va décider qu'on peut en face lui ou bien faire l'autre bagaille. Mais pour le moment, le premier ministre, il fait partie de discussion. D'ailleurs, il dit ça très, il rencontrait tous les groupes. Tous les groupes qui étaient là, qui sont là, ils sont tête à tête avec eux. Seulement, les n'est obligé de dire que saleté qui échangent, ils gagné avec les différents groupes. Pas une hostilité préalable à premier ministre, non? Qu'il y a assez au premier ministre de se comporter de manière responsable et adulte et pragmatique pour que le processus qui est initié à Kingston, non? Il n'est pas gagné lui-même. Ou bien ne pas quitter entourage de Gaël. Que notre dernière discussion, ça, on vous remercie. Et tout le monde peut apprendre. Troisième jour de discussion, elle a commencé à 9h dans Jamaïque, mais elle a commencé à 2h parce que pour le ministre, elle a rencontré chaque monde en apporté. Oui, mais ça, c'est Samdo, oui. C'est Samdo que le premier ministre a lui-même, oui, a modifié l'agenda en demandant à rencontrer tous les groupes de partis, tous les groupes politiques et sociaux qui étaient représentés dans la salle-là. Les la rencontre, non, on a porté ça. Non, bon, mais. Ah. et permettre que pas pour contre moi, dans la salle-là. Donc, nous avons des échanges politiques sur la manière de résoudre la crise. Et puis, nous disons, nous balons l'opinion, et nous pensons que ça a été de même, et ça a été de même pour les autres groupes que le TGN. L'essentiel, c'est que, là, pour aucun monde qui dit qu'il ne va pas rencontrer le Premier ministre, il ne va pas discuter avec elle. Ah, donc, nous, tout acteur honnête est rencontré avec le Premier ministre. Mais tout le monde, le Premier ministre, a modifié l'agenda de la troisième journée parce que le Premier ministre a demandé à rencontrer tous les groupes en tête à tête. Donc, nous ne pouvons pas le dire à l'autre groupe, yo, mais nous-mêmes, nous avons volontiers discuté avec le Premier ministre sur la manière de instaurer un climat sûr et stable qui pouvait mettre à l'élection. À l'élection. Mais c'est pour affaire de bail poste directeur général, bail poste ministre, nous pas. Bon, ça va parler.
Non. Nous parlons ça et pas ça qui préoccupation nous. Et si on n'a pas les paroles avec nous, nous pas tant d'eau. Ouais. C'est un processus politique qui vous mettez stabilité dans le pays et ça qui intéresse. À quel moment de la durée nous décidons que nous avons écrit une déclaration commune? Le vidéo de votre premier ministre là, nous elle pas convaincu nous elle le projet. Parce que la déclaration commune conjointe qu'on a signée, c'était déjà un projet de résolution pour final qui était sous table, qui était prêt à la discussion, qui était en discussion et qui t'a pas signé par les une série de forces politiques et sociales. À ce moment-là, tu as le risque que le 21 décembre et les alliés du Premier ministre passent. Donc, nous, le board fait la CARICOM, qui t'a dirigé par là, mandé à droite, bon, suggérer que cette résolution soit mise sur la table et que la fait l'objet de prochaines discussions en Haïti. Ouais. À ce moment-là, et à charge pour le gouvernement en face, ils ont même articulé une autre contre-proposition sur la base de la déclaration faite par le Premier ministre. Ouais. Si on était en fait ça, dans la discussion, nous avons gagné deux résolutions, à ce moment-là, nous avons une commission de réconciliation faite. Mais comme... Non, ben, t'es entré dans la manœuvre dilatoire, faire de l'anti-jeu, quoi. Je dis qu'un jour, c'est vrai. Bon, moi-même, m'a assimilé ça à de l'anti-jeu. C'est-à-dire, pour employer le langage football, l'on a deux équipes qui ont joué, une équipe qui a Messi, Ronaldo, là, dedans et puis l'autre, là, lui-même, c'est coup pour bail. Donc, l'on a bail coup, et habite là, gagne deux choses. Ou bien, lui met au dehors souterrain, ou bien le déclare forfait sous. Et ça, de river là, ou déclare forfait sous. Non, bah, dis à moi, donc, non, terrain de jeu a ouvert toujours. Ah, n'est pas fini. Il était même, mais faut qu'on ait montré qu'on jouait, et pas coup pour une bail. Ok, mais qu'est-ce que vous voulez? Oh, oui. Allez, l'idée dit là que pour tout, là, comme si chaque fois on parlait, c'est comme si il y a le premier ministre d'un côté et de l'autre. Ça, on vit là pour me comprendre. Le scénario reprend pour moi, des pages de temps en temps la communication coupée. Moi-même, je ne vais pas attendre. Vous pensez que nous avons une question? Monsieur Balthazar évoque le Premier ministre et son entourage. Qu'est-ce qu'il faut comprendre de ça? Non mais premier ministre a pas pour compte les gon noyau politique autour de lui et les parties prenantes d'un projet et de qui transcrit l'accord 21 décembre. Donc le premier ministre s'est retrouvé à la Jamaïque avec comme défenseur et le principal exposant politique de l'accord du 21 décembre. D'ailleurs, déclaration le fait, il baille le ton. Donc il reste maintenant aux partenaires du premier ministre, aux alliés du premier ministre le 21 décembre, non, qui ont articulé sa déclaration que le fait le 13 là, en un projet de résolution politique pour qu'on discute avec eux. C'est ça, le côté où ça dit, nous-mêmes, les non-signataires de l'accord du 21 décembre, nous prêts à la discussion, et déclaration conjointe que nous faisons, et le projet de résolution que nous quittons l'an même, CARICOM, non, c'est base de discussion, nous, avec le 21 décembre. Nous pas gagner pour nous continuer à rencontrer mon noyé poisson, non, c'est pas gagner. D'ailleurs, si c'est ça, a bien fait, nous-mêmes, nous pas rentrer dans la réponse. Il y a deux projets politiques sous table là, un projet monocéphale avec un projet bicéphale qui conforme à la constitution de 1987. Depuis juillet 2021 avec les bons résultats que nous avons aujourd'hui. Faut ajouter ça, Sénat. C'est ça lié depuis 21 juillet 2021, avec les bons résultats que nous gagnons sur le plan économique, sur le plan sécuritaire, sur le plan de la vie quotidienne. Ça fait des mondes qui veulent continuer. Vous avez mal compris, mais moi, deux visions, ça, à savoir, un projet. Oui, les deux propositions, on exécute une bicéphale, monocéphale,
Mais deux projets ça eu en opposition depuis juillet 2021. Oui, oui, sauf que Gaïoun qui est en exécution depuis juillet 2021 et qui est combattu, et Gaïoun qui a combattu par celui qui est au pouvoir depuis 7 juillet 2021. Qui ont été facilités, sans doute pas ça. Oui, donc moi je dis que ça qui a dirigé le pays depuis 7 juillet 2021, monocéphale, tout pouvoir dans mon seul monde, il va en bilan. Les gros bilans qui actuellement, mais si bon, il va continuer. Et à la satisfaction de tous les citoyens. Mais comme nous, elle va bon, nous disons, il va bon, en nous changer l'ensemble. Nous pas nous retirer corps, bon, non, en nous changer l'ensemble de manière consensuelle. Mais comme c'est au pouvoir, il y a un droit pas d'accord changer de manière consensuelle. Il y a un droit et faire adhérenter les gens, vous voulez faire là. D'ailleurs, le projet, l'accord du 21 décembre, ça fait 6 mois, oui, là, et Magique 9, depuis 6 mois. Et date de préemption, c'est 7 février 2023. Il va arrêter en plus le temps encore, non? Donc, comme il va arrêter en plus le temps encore, il faut le déguer faire élection. Donc, ça veut dire l'accord du 21 décembre, sans le pourquoi même fin appliqué, sans le pourquoi appliquer, il est en caduc. Et c'est peut-être ça, il y a l'essayer de faire un bagage 23-24 mai dans le Caribe pour retirer une nouvelle légitimité. D'ailleurs, et ouais ça très bien, il y a un prolongé des élèves pour le pouvoir jusqu'en février 2025. Mais c'est de ça qu'on parle. C'est-à-dire, où bon équipe moun qui dit faut que vous dirigez le pays pour continuer de manière monocéphale, il n'y a pas de résultat. Et il n'y a pas jamais qu'à dire qu'il a fait élection. Là, il y a une date pour faire élection, date la passée sur eux, il a demandé de nouvelles dates. Et puis, nous dit non, messieurs et dames, nous pas qu'à continuer comme ça. On nous cherche ensemble, on voit consensuel pour nous retirer le pays à l'instabilité. Ça. C'est ça seulement nous demander. Oui. Donc, maintenant, CARICOM à Kingston. Kingston fait un bon bagage pour le pays, malgré ça, tout le monde a dit. C'est que Kounia est clair pour tout le monde. Il y a deux projets. Il y a un projet pour le ministre là et ses alliés. Et puis, il y a un projet des non-signataires de l'accord du 21 décembre qui ont même dit, mais dans quelle direction nous besoin aller, mais dans quelle direction nous besoin entamer des discussions avec le premier ministre actuel. Nous pas dit mettre clé sous table là à le mettre la pénitentiaire et tant non. Nous dit le premier ministre actuel, voilà le cadre de discussion que nous avons avec vous pour nous mettre en gouvernance qui assure un minimum d'équilibre à la tête de l'État pour nous assurer que les décisions qui sont prises pour dans le cadre de cette transition, c'est des décisions qui mettent stabilité politique dans le pays et non pas qui créent crise. Jusqu'à présent, depuis 2 ans, c'est crise et décision et monocéphalie a créé. Donc, nous pas aucun monde qui dit pour le ministre à courir. Non, maintenant, s'il ne veut pas discuter, s'il veut continuer avec le projet monocéphalie qui va avoir des résultats, à ce moment-là, bon, mais. Et comment plus, c'est eux-mêmes qui ont marché dans toute instance internationale. Parce que c'est le gouvernement qui a internationalisé le conflit haïtien. Le problème haïtien, c'est eux qui ont marché dans CARICOM, dans OEA, dans ONU, dans tout côté, c'est le gouvernement qui a internationalisé la crise haïtienne. Donc, l'on a internationalisé, et puis, qu'on y a là, il y a invité au CARICOM Kingston, ou a fait qu'on les crapauds d'où pas aller, et vous allez. Donc, voilà, mais nous-mêmes, nous n'avons pas de problème parce que nous rapatrier les discussions à Port-au-Prince et que nous entamer des discussions adultes avec le Premier ministre. Paul prêt pour entamer des discussions adultes avec le Premier ministre. Donc, pour entamer des discussions, nous-mêmes, nous définissons le cadre là, et on exécutif bicéphale de manière à ce que le gouvernement, pas au seul monde qui est concentré quand le Premier ministre actuel là, il y a à la fois Premier ministre, président, chef d'État, ministre de l'Intérieur et autre chose. Donc, c'est pas possible. Mes amis, attendez ça. Où c'est haïtien, où est mes pays, et puis on agit. Mon éditorial. Entre désespoir, de machination politique et l'énergie, mon éditorial, nous dit tout. Émission Mon Éditorial, si je passe analyse, débat contradictoire sur tout détail sociopolitique qui a dominé le pays d'Haïti. Mon Éditorial.
sorti lundi pour y faire vendredi. Depuis fait 2 heures, monsieur Chanel pour là pour qu'elle bien informé avec Yannick. Mon éditorial. Nous bral la balle et nous bral la balle. C'est toujours même Yannick, l'homme même voix.